Hello, hello à tous, bonjour, bienvenue sur ce live de questions-réponses aujourd'hui avec Jérémy Cohen. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la forme et que vous profitez bien de cet été qui est largement amorcé maintenant. Donc je te rappelle le principe de ces lives de questions-réponses. Il n'y a pas de programme, c'est toi qui feras le programme. On accueille donc aujourd'hui, je te le rappelle, Jérémy Cohen. Donc Jérémy, il est senior UX designer, formateur et enseignant, tout ça en freelance. Donc si tu as envie de lui poser des questions concernant l'UX design, concernant peut-être le profil de formateur, comment est-ce qu'il est arrivé à être formateur par exemple, tu peux lui poser tes questions. Jérémy, il a donné au sein du club Wooks une étude de cas concernant les ateliers, dans le bon sens c'est mieux, une étude de cas concernant les ateliers, il a donné ses bonnes pratiques en tant qu'expert. Donc si tu es membre du club Wooks, je t'invite à aller la voir, elle est encore disponible pendant quelques jours. Si tu n'es pas encore membre du club Wooks, tu peux nous rejoindre. Donc je te rappelle le principe, tu poses tes questions soit dans le chat, si tu as envie, mais le mieux, ce serait même que tu nous rejoignes sur le live, que tu nous rejoignes pour activer ton micro, au minimum pour pouvoir nous parler. Et éventuellement, si tu le fais, tu peux aussi activer ta caméra. Mais ça, il n'y a vraiment aucune obligation. C'est toujours beaucoup plus simple pour poser ta question que tu nous rejoignes parce qu'en général, on a besoin de contexte pour pouvoir te répondre précisément, pour te faire une réponse, on va dire, sur mesure. Donc, je vais accueillir tout de suite Jérémy qui a une petite assistante aujourd'hui. Et Jérémy va pouvoir nous parler un petit peu plus de qui il est. Hello Jérémy, comment vas-tu ? Hello, bah écoute, super bien. À l'approche des vacances, tout va bien, il fait beau, on est pas mal. Donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et du coup, j'ai hâte de découvrir nos échanges et de pouvoir m'enrichir à vos côtés. Et j'espère pouvoir aussi vous éclairer sur des points sur des questions que vous pouvez vous poser ou des points qui pourraient vous poser problème. Donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Cool. Alors, on a Louisa et Isabelle qui nous font un petit coucou. Hello les filles, merci pour vos petits messages. Pour démarrer, Jérémy, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas encore vu ton étude de cas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, où tu en es aujourd'hui et puis tes différentes actualités du UX designer qui déchire senior? Alors, mon parcours, j'ai commencé dans les projets digitaux il y a une petite vingtaine d'années, parce que ça se voit pas forcément, mais j'ai 42 ans. Et donc, j'ai commencé au tout début où Internet est arrivé en France à me passionner pour cette dimension-là. J'y ai vu tout de suite un intérêt certain. Pour plein de raisons, et donc j'ai commencé à coder un peu certains sites web. Après, je suis passé chef de projet. Après, j'ai été amené à manager une équipe d'une dizaine de personnes, toujours dans un contexte digital et dans des grandes entreprises, des grosses organisations où il fallait accompagner le changement. Si on se reprojette il y a 20 ans, le web, c'était un peu le truc de geek. Personne voyait trop ce qu'on allait pouvoir en faire. Et donc, accompagner tout ça. Et c'est au cours de cette dernière expérience où moi j'ai été confronté à des problématiques autour de la gestion de priorités, de priorisation des sujets, de donner du sens aux équipes, etc. Et où du coup j'ai par la force des choses découvert ce que c'était que l'UX design, ce que c'était un métier qui avait des outils, des méthodos. Ça m'a passionné. Donc je me suis beaucoup documenté. J'ai rencontré beaucoup de monde pour échanger là-dessus. Et puis, j'ai décidé d'en faire un métier. Donc, je me suis lancé il y a un peu plus de 3 ans en indépendant. Et maintenant, j'accompagne mes clients qui sont principalement des grands comptes autour de problématiques d'organisation, justement de changement d'état d'esprit, de mise en place d'équipes, de méthodologies. Et en parallèle de ça, j'ai aussi une casquette de formateur et d'enseignant. Formateur parce que ben justement moi je suis passé par là, donc j'ai dû me doter de nouvelles compétences et donc je viens offrir un peu cet éclairage là à mes clients et formateur auprès d'écoles de design, mais aussi écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, parce que mon point c'est que l'UX
c'est pas que l'affaire d'une seule personne, et donc c'est un état d'esprit que tout le monde peut adopter, quel que soit son métier, être centré utilisateur. Et donc voilà, j'ai un peu cette volonté en fait d'éclairer aussi des dimensions qui peuvent être plus ou moins éloignées du design. Et en parallèle de ça, et je termine là-dessus, je m'investis beaucoup dans une école de design sur Valenciennes où on est en train de monter du coup une filière qui s'appelle Design d'interaction, un master sur 2 ans, et donc où il faut écrire la copie, tout créer de toutes pièces en termes de programme. Donc c'est passionnant et j'espère que vous en entendrez parler et que peut-être qu'on aura l'occasion de s'y croiser à l'occasion. Trop cool. Et tu as une actu aussi en septembre, un bouquin qui va arriver. Absolument. Fin septembre, début octobre, la date n'est pas encore exactement calée avec l'éditeur, mais on coécrit avec Marina Wiesel un ouvrage qui s'appelle l'UX Design en vrai, et qui est un peu une sorte de recueil. On se base sur des interviews du UX designer de toute seniorité, tout bord, que ce soit freelance, salarié, start-up, grande boîte, principalement en France, mais il y en a aussi quelques-uns à l'étranger. On est parti vraiment de cette démarche de sonder et d'essayer d'identifier quel était le quotidien des UX designers et quelles sont les situations qui pouvaient leur poser problème dans leur pratique au quotidien. Et en sont ressorties 34 thématiques, 34 situations qu'on a adressées sous la forme de fiches pratiques sur laquelle on vient décrire la situation, aussi analyser en faisant preuve d'empathie qu'est-ce qui peut faire que ça bloque dans la tête des gens qui sont en face de nous. Si je prends l'exemple de la recherche utilisateur, qu'est-ce qui fait que le PO va pas me donner le temps nécessaire pour faire de la recherche utilisateur? Il a forcément des arguments et tant que je les ai pas compris, je peux pas apporter la bonne solution. Et donc, une fois qu'on a établi cette phase d'empathie, à ce moment-là, nous, on amène un éclairage de la part de nos retours d'expérience ou de retours d'expérience qu'on a pu collecter autour de nous. Et donc, l'idée, c'est de se sentir moins seul et d'essayer de trouver des pistes de solutions à des situations qu'on a tous plus ou moins déjà vécues ou qu'on sera amené à vivre dans le futur. Et donc, voilà, ce livre est un recueil donc de fiches pratiques. Et on est très fiers de pouvoir accoucher de ce projet-là. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Et donc, on a hâte de le voir sortir, en fait, et de voir ce que ça va donner. Donc, peut-être que vous aurez l'occasion de le lire. Et en tout cas, je serais heureux d'avoir vos feedbacks. Clairement. J'ai trop hâte de le voir aussi. Du coup, si on a des personnes là présentes qui aimeraient pouvoir être tenues au courant de la sortie, etc., qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On n'a pas encore vraiment travaillé sur un outil de précommande. C'est en cours de discussion. Ce que je fais là, c'est que je vais vous poster dans le chat le lien vers mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et moi, je suis en train de collecter justement les noms des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées pour les tenir au courant déjà de la date de sortie et éventuellement lancer une précommande quand ce sera disponible. Donc voilà, je vous ai posté dans le chat. Je pense que maintenant, tout le monde peut le voir. J'espère. Hop, je suis en train de le mettre sur le chat général. Et voilà. Super, merci. Donc voilà, n'hésitez pas et ce sera avec plaisir. Et si vous le souhaitez échanger aussi, c'est l'occasion de pouvoir du coup avoir mon contact. Je fonctionne beaucoup avec LinkedIn, donc c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions si besoin. C'est top. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation. Du coup, les amis, je vous rappelle que aujourd'hui, nous prenons toutes vos questions pendant, disons, une petite heure devant nous, une petite heure qui nous restera devant nous. Je vois qu'il y a Sylvie qui est avec nous, donc je vais accueillir tout de suite Sylvie. Sylvie, est-ce que tu es là? Je t'ajoute. Hello Sylvie, est-ce que tu nous entends? Tu as ton micro qui est coupé. Si tu peux le réactiver, si tu es prête pour ta question. On est là aussi. Peut-être que tu n'es pas là. Peut-être que tu n'es pas tout de suite là, Sylvie. Sylvie, je te rajoute dans 2 minutes. Je reviens vers toi. Peut-être que tu es allée chercher un verre d'eau. Moi, j'ai toujours une question. Tu sais, j'en ai même 12 dans ma tête. Mais du coup, il y en a une qui est ressortie là, par rapport à ce que tu viens de raconter. Alors, je sais qu'elle va être vaste, cette question. Peut-être qu'on peut arriver à trouver un morceau de fil de ça. Tu nous disais que toi, tu prends vraiment ce rôle de pèlerin presque pour aller parler de l'UX dans les entreprises et permettre à
tous les métiers, finalement, d'avoir cette culture de la conception centrée utilisateur. Et tu nous parlais du fait que toi, tu aimes pouvoir faire changer les états d'esprit, les faire évoluer. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as une anecdote représentative ou peut-être que tu as des grands sujets comme ça, mais comment tu fais ? Comment tu fais ça pour, au fur et à mesure du temps, arriver à faire évoluer l'état d'esprit dans les entreprises ? Alors, tu as raison, c'est un vaste sujet, c'est une question hyper intéressante. C'est le cœur... Le cœur de, je crois, des sujets qui m'animent le plus, il y a le premier facteur pour moi, c'est le temps. C'est-à-dire que si les choses se font dans l'urgence ou dans la précipitation, on peut pas instaurer un climat. Ça passe par plein de choses. Le changement d'état d'esprit, ça passe déjà par la confiance. Donc instaurer la confiance, instaurer la légitimité vis-à-vis d'un interlocuteur, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc pour moi, c'est des choses qui se font, sur lesquels il faut se laisser le temps et pas mettre la pression en disant faut absolument que tu changes parce que on sait très bien que plus on va nous imposer le changement, moins on va vouloir y aller et plus on va freiner des cas de fer. Donc l'idée est plutôt de se dire c'est pas grave si aujourd'hui t'es pas prêt. Nous aussi on a besoin. Moi, si j'arrive dans un contexte d'une entreprise où je me dis bon là il y a à mon avis des choses qui devraient évoluer. Mais j'apprends aussi, moi, de ce contexte-là, en fait. Donc, j'arrive jamais en terrain conquis en me disant, bon, alors, je sais exactement ce qu'il faut faire, etc. Ça, moi aussi, ça me prend du temps. Ouais. Donc, il y a du temps pour moi, il y a du temps pour mes interlocuteurs et on gère de l'humain. Donc, il faut juste laisser le temps. Et des fois, ça m'arrive de devoir faire pause, en fait, sur un sujet en me disant, bon, là, je vois qu'ils ont d'autres chats à fouetter. C'est pas, je suis prêche un peu dans le vent, là, en ce moment. C'est pas le moment. Et du coup, des fois, il vaut mieux laisser reposer les choses pour pouvoir mieux les rattaquer par la suite. Il y a vraiment une question de timing et d'alignement un peu de planète. Alors, ça paraît un peu évasif quand je dis ça, mais voilà, pour moi, le facteur temps, en tout cas, est vraiment important. Et après, il y a un sujet autour de, comme je disais, la confiance et la légitimité, c'est-à-dire savoir mettre les gens, montrer qu'on se met à leur niveau et qu'on n'est pas dans une posture de sachant et de gourou qu'il va falloir absolument suivre les yeux fermés, mais plutôt de quelqu'un qui se met au niveau des gens, écoute les problématiques, tient compte du contexte, tient compte d'un vécu, d'une culture, etc. De dire bon, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme je dis souvent. C'est il y a des choses que vous faites qui sont super. Il y a des choses qui doivent peut-être évoluer, et c'est de ça dont on va discuter, mais en tenant compte de ce qui fonctionne bien, de ce qui existe et de ce qui a déjà été fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas du UX designer dans l'équipe que vous raisonnez pas centré utilisateur. Il y a peut-être des gens dans vos équipes, au service client, aux études, au marketing, qui ont cet état d'esprit sans avoir le titre du UX designer. On n'a pas attendu le UX design pour raisonner centré utilisateur. Donc, je pense que c'est important aussi de montrer aux gens que, on est humble et que on va savoir s'adapter et être à l'écoute pour mieux accompagner le changement. Et le dernier point, ça c'est moi en tout cas quelque chose que j'affectionne particulièrement et que je trouve assez efficace, d'utiliser des analogies. Là, on rentre en plus un peu dans la pratique. Les analogies, c'est de transposer une situation dans quelque chose de plus courant pour être sûr que les gens puissent bien mesurer là où on veut en venir. Je vais vous prendre un exemple. J'ai travaillé sur un sujet autour des ressources humaines et des parcours de recrutement. Donc pour un peu mettre le doigt en fait sur le fait que les parcours de recrutement aujourd'hui étaient assez perfectibles en termes d'expérience. Et donc pour ça j'ai utilisé une analogie. Donc c'est de leur dire imaginons aujourd'hui quand je postule chez vous, comment ça se passe? Je dois trouver la fiche de mission. Ce qui est pas forcément toujours évident. Et puis une fois que j'ai trouvé ça, faut que je fasse acte de candidature. Donc je vais adapter un peu mon CV, rédiger une belle lettre de motivation, vous la poster sur votre plateforme. Et là après, qu'est-ce qui se passe? Au mieux j'ai un email automatique qui me dit écoute Jérémy, merci pour ta candidature. Et si tu n'as pas de réponse d'ici 3 semaines, considère que ta candidature n'a pas été retenue. Alors pour appuyer sur ce point-là, sur le côté qui me semblait, en tout cas moi, à améliorer. Je dis, prenons l'exemple d'un site e-commerce.
on va faire l'analogie de votre parcours sur un parcours d'achat. Et donc, imaginons que je dois acheter un produit assez impactant d'un point de vue investissement. Hein, c'est lourd. Je vais mettre du temps à le chercher dans le moteur de recherche. Je vais comparer les produits. Une fois que je suis prêt, voilà, je vais sortir ma carte bleue. Je vais renseigner le tunnel de commande, renseigner toutes les informations. Donc là, on voit que bah, c'est comme si je remplissais quelque part, je donnais mon CV, ma lettre de motivation. Je paye. Donc là, c'est comme si j'envoyais ma candidature. Et c'est comme si je recevais un email de confirmation qui me disait bah, « Merci beaucoup pour ta commande. Si tu n'as pas reçu ton article d'ici 3 semaines, considère qu'il est perdu. » Et donc, là, bien sûr, ça faisait sourire tout le monde. Et je fais « Mais c'est ce que vous faites vivre aux gens. » C'est-à-dire qu'ils montrent un investissement, une volonté de passer du temps, d'investir des années auprès de votre entreprise, d'y contribuer. Et toute l'estime que vous leur démontrez une fois qu'ils ont réalisé ce premier pas vers vous, c'est de leur balancer un mail automatique qui leur dit bah, si tu n'as pas de nouvelles de notre part, sous-entendu, si tu n'as pas de visibilité, considère que ce n'est pas bon. Quoi. Comment vous pensez que les gens le perçoivent et quel impact vous pensez que ça peut avoir après sur votre marque employeur, sur le fait qu'ils repostulent demain, sur le fait que plein de choses, quoi, enfin tous les impacts qu'on peut mesurer. Donc voilà, je termine là-dessus. Juste les analogies très puissantes en termes de levier. Il faut juste trouver les bons sujets. J'ai quelques exemples si c'est des sujets qui vous intéressent, on pourra creuser là-dessus. Mais avoir ce mode de fonctionnement-là, les gens tout de suite comprennent mieux là où on veut en venir et prennent davantage conscience quand c'est pas dans leur secteur ou quand c'est pas dans leur quotidien. De bah oui, c'est vrai que ça me semblerait totalement absurde de faire ça. Bah ouais. Bah, donc si on le retranspose dans ton secteur, c'est aujourd'hui, c'est ce que tu fais, quoi. Clairement. Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai très envie de rebondir, mais du coup, on a d'autres questions. Donc, je me retiens. On a Isabelle qui nous demande comment convaincre un client pas dit tout habitué des ateliers d'idéation d'en réaliser un premier peut-être pour un projet. Quelle serait ta stratégie, les astuces que tu mettrais en place pour ça? Alors, encore une fois, c'est vraiment adapté en fonction d'un contexte. Moi, ce que je réalise un projet sans atelier, c'est, je vais réutiliser une analogie, c'est comme viser une cible avec des fléchettes en fermant les yeux. Vous avez assez peu de chances de taper dans la cible et encore moins de chances de taper dans le mille. Donc, le fait de passer par un atelier, c'est se donner les moyens d'ouvrir les yeux au moment où on va lancer la fléchette. Ça garantit pas de taper dans le mille, mais ça, globalement, ça maximise les chances quand même de taper dans la cible. Clairement. Donc moi, je dis toujours que quand on fait intervenir l'intelligence collective, quand on raisonne centré utilisateur, on peut pas vraiment se tromper sur un projet. On peut pas complètement planter un projet. On sait qu'on veut mettre en place tel outil, on sait qu'on veut développer telle technologie. Ça comporte une grosse part de risque. Et moi, c'est ce que j'avance en fait dans les ayant été chef de projet ou PO. C'est maintenant on appelle ça PO, mais globalement. Mon job, c'était de minimiser les risques, éliminer toute source de risque, en fait. Et donc, quand on prend conscience que ces outils-là, ces méthodos, ces expertises, quand on les fait intervenir, elles permettent de dérisquer. Utiliser le mot dérisquer, ça parle vachement au PO. C'est de dire, voilà, là, tu élimines un certain nombre de zones de risque, de zones d'ombre, en fait, dans ta pièce. Tu viens mettre en lumière certaines choses. Ben, quelque part, ça vaut peut-être le temps de juste prendre le temps d'une demi-journée, une journée d'atelier. Ou de prendre le risque de planter le projet et ça tu le verras qu'à la fin qu'est-ce que tu choisis entre les deux quoi. Alors après il faut de toute façon adapter ça dépend ce qu'on entend par organiser des ateliers c'est sûr que demander tout de suite de systématiser toutes les semaines de faire un atelier d'idéation c'est peut-être un petit peu délicat sur une première approche donc il faut peut-être essayer d'envisager les choses sur si on prend 2 heures ou une demi-journée juste pour leur donner l'idée, en fait, qu'ils puissent toucher du doigt ce que ça pourrait être et donc pour marquer des points et de se dire qu'ils comprennent que la fois d'après, ce soit peut-être eux qui vont avoir ce réflexe-là, en fait, qui fassent pas ça juste pour l'idée de se dire bah, on fait des ateliers pour faire des ateliers, mais bien pour les bonnes raisons. Donc voilà, moi, les arguments que je mettrai en avant, c'est le côté, on va dérisquer le projet, on élimine un certain nombre de facteurs, ça garantit pas, en fait, de taper dans le mille, mais ça maximise les chances de taper dans la cible.
Ouais, clairement. Et clairement, quand tu fais ça, en fait, tu fais ce que j'appelle, moi, l'effet miroir, c'est-à-dire reprendre des sujets qui sont des problématiques, des problèmes que rencontre ton interlocuteur. Donc là, typiquement, c'est les fameux risques. Et tu lui montres que tu vas pouvoir l'aider à aller vers son objectif qui est de minimiser les risques. Donc là, tu as pu parler de risques. Si même éventuellement on peut identifier par le passé des choses qui se sont passées, des erreurs qui ont été rencontrées, etc., et rappeler ces erreurs-là et leur expliquer très brièvement que on aurait pu pas forcément éviter toute cette erreur, mais en tout cas la minimiser, et en tout cas par itération, vraiment, au fur et à mesure du temps, finalement, l'effacer. Si on peut faire ce parallèle avec des éléments déjà passés, là aussi ça marche vraiment très bien si on a connaissance de l'historique du projet ou de l'historique de la personne. Mais pour faire ça, il faut s'intéresser aux personnes avec qui... on est amené à travailler, s'intéresser à leurs problématiques, leur poser des questions, ne pas hésiter à leur poser des questions pour bien comprendre l'écosystème dans lequel on s'inscrit. C'est ça. Je pense que tu as tout à fait bien complété le propos et ça rejoint le sujet autour de l'empathie, de ne pas venir en disant il faut faire des ateliers pour faire des ateliers parce qu'on est convaincu qu'il faut faire des ateliers parce qu'on a toujours fait comme ça et que dans la méthodo, il est acquis qu'on fait des ateliers. Ça, il y a peu de chances qu'on arrive à avoir gain de cause, à moins d'avoir une aura juste de dingue et que les gens nous fassent venir pour ça, mais c'est toujours un peu risqué. Mais plutôt, effectivement, de redécrypter les choses et de leur expliquer pourquoi c'est important dans leur contexte et pour éviter de retomber dans une situation éventuellement qui a déjà fait écho. Soit d'un échec retentissant ou d'une problématique qu'ils ont rencontrée. Donc tout ça, ça nécessite en effet de prendre du recul, d'analyser la situation, d'être à l'écoute des gens et de se dire si vous voulez pas revivre ça, alors à ce moment-là, peut-être que faire des ateliers, ça pourrait vous aider. Clairement, clairement, clairement. On va passer à une deuxième question. Sylvie, fais-nous juste un petit coucou si t'es là pour poser ta question en direct avec ton micro. Je prends la question d'Isabelle juste avant. Et si t'es là, Sylvie, du coup, j'activerai ton micro juste après. Isabelle, deuxième question. Lors d'une refonte d'un outil métier qui ressemble à une usine à gaz, bon, on connaît bien les outils métiers qui sont un peu comme des millefeuilles avec plein de fonctionnalités. Oui. Comment faire pour savoir si toutes les fonctionnalités sont utiles et comment faire le tri dans ce bric-à-brac? Excellente question. Sujet qu'on a tous, je pense, plus ou moins soit vécu du côté utilisateur ou du côté concepteur. Moi, j'ai eu à traiter un sujet comme ça. Où je voyais le truc gros comme une maison en fait, où on était en train de monter une usine. Effectivement, tu parlais de millefeuille, d'empiler déjà un certain nombre de couches, et je voyais le planning surtout qui reculait au fur et à mesure qu'on ajoutait les choses. Et donc, je leur ai proposé un atelier inspiré du poker planning. Alors, je pourrais vous envoyer un lien s'il y en a qui sont pas, en deux mots. C'est un rituel issu des méthodes agiles où on demande pour chaque user story, donc pour chaque morceau qu'on s'apprête à adresser lors d'un sprint, on demande au développeur, à ton avis, voilà, à vue de nez, tu as le choix entre un niveau de complexité de 1, 2, 3, 4, combien tu mets combien t'estimes en fait en nombre de points cette feature en fait de ton point de vue. Et donc, en s'inspirant de ça, transposer ça en atelier en disant, bon, non pas sur la complexité, mais en intégrant des notions de c'est important à quel niveau pour toi, et donc de les amener eux-mêmes à hiérarchiser, parce qu'il y a forcément des choses, si on raisonne pas de manière globale, mais en disant de manière unitaire, ce truc-là, est-ce qu'il est plus important que l'autre? Et essayer de les classifier comme ça et d'amener une sorte de consensus au sein de l'équipe en disant bah voilà, si on devait avoir un top 3, lequel ce serait? Et donc de là on peut arriver après à un mode MVP de bah voilà, on sait que
dans un premier lot, peut-être qu'on pourrait livrer les trois premières fonctionnalités là, et donc on les, c'est eux-mêmes en fait qui ont fait cet effort de prioriser. C'est-à-dire qu'instinctivement, si on amène les choses autour de quoi t'es prêt à te séparer, clairement ils vont tous freiner et on va pas s'en sortir en fait comme ça. Alors que si on trouve en fait les bons indicateurs, ça peut être si j'ai des devs autour de la table et puis des gens du marketing et des gens peut-être juridiques, je sais pas. Et donc on intègre toutes ces contraintes de complexité technique, enjeux pour les clients, enjeux business, enjeux éventuellement légaux. Et donc de dire bah voilà, on a 15, 20, 30 fonctionnalités. Lesquelles vous semblent les plus pertinentes et avec des scores. Voilà, pour chaque item, enjeu business, complexité technique, etc., on vient mettre une note. Cette note accumulée de tous les critères va scorer automatiquement les sujets les uns par rapport aux autres. Et après, charge à l'équipe de définir le cut en disant bah, au-delà de tel rang, ça passera sur un lot ultérieur ou ça se fera pas. Et on se donne l'opportunité via le premier lot déjà de voir ce que ça donne, d'itérer là-dessus avant d'en rajouter. Ça les amène vraiment à se responsabiliser et à prendre conscience que développer une fonctionnalité, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est aussi des risques qu'on prend de pas bien servir finalement les utilisateurs et donc, quelque part de pas consacrer l'énergie là où c'est nécessaire. Donc ça les responsabilise vraiment et ça a plutôt bien fonctionné. J'espère que ça répond à ta question. Je pense que ça répond. Je compléterais. Donc là, tu as donné la réponse vraiment du côté entreprise et du côté équipe pour pouvoir déjà de leur côté prioriser ce qui est vraiment essentiel au produit. On pourrait aussi, les deux peuvent se faire, ou parfois l'un, ou parfois l'autre, ça dépend des projets. Il nous faudrait un peu plus de contexte pour peut-être mieux te conseiller, Isabelle. Mais t'as aussi la possibilité d'aller voir les utilisateurs existants, s'il y en a, pour voir en fait globalement ce qu'ils utilisent vraiment et puis ce qu'ils utilisent moins. Si le produit existe déjà, éventuellement, t'as peut-être même accès à des données, à des stats, donc pour voir les fonctionnalités qui sont utilisées et pas utilisées. Alors, une fonctionnalité peu ou pas utilisée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile. Attention à ça, ça pourrait vouloir dire qu'elle n'est pas mise au bon endroit et ça, faudrait pouvoir le vérifier avec les utilisateurs. Et puis, si tu n'as pas du tout d'utilisateurs parce que le produit n'est pas encore sorti, eh bien, dans ce cas-là, il faut aller faire toute une étude pour comprendre le besoin, pour comprendre les problématiques de la cible des futurs utilisateurs qui permettront ensuite à l'équipe de prioriser le travail à réaliser. Et là, dans ce genre de projet, moi, ce que j'adore par rapport au genre d'exercice que tu viens de proposer, c'est arriver à trouver l'équilibre entre ce qu'on a compris du besoin des utilisateurs, on va dire ça comme ça, est-ce que nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, on est capable de produire en termes de temps, en termes de ressources, en termes de stratégie aussi pour l'équipe business, et puis tu as parlé aussi de la dimension légale, et presque dans ton poker, intégrer la dimension des utilisateurs pour arriver à une note globale et arriver à avoir cette représentation de toutes les fonctionnalités par rapport à toutes les composantes, toutes les parties prenantes du projet. Et moi, quand je dis parties prenantes du projet, je mets même les users à l'intérieur. Et du coup, petit clin d'œil, Jérémy, parce que franchement, arriver à tenir ton discours avec ta choupinette à côté... Je vous entends mon micro, hein. Désolé. Tiens. Elle va absolument faire un petit coucou, voilà. Bonjour. Hop là. Ouais, trop envie de faire le live avec papa. Ouais. Donc, je vous ai mis en lien vers ce dont je parlais, en fait, le poker planning pour la priorisation des sujets. Et effectivement, je pense que d'une manière générale, pour reboucler et conclure là-dessus, de mon côté, c'est les amener vraiment à repartir du besoin et les responsabiliser par rapport à ça en disant...
comment on s'assure que toute cette liste de fonctionnalités, au-delà du nombre, parce que des fois ça peut être nécessaire, mais est-ce qu'on est sûr que ça répond à un besoin? Et si on n'est pas sûr, à ce moment-là, peut-être que c'est moins important que des choses sur lesquelles on est absolument certain que là ça va servir à quelqu'un ou à un groupe d'utilisateurs. Et donc de les responsabiliser par rapport à ça en disant mais on parle de quel besoin là? Parce que si on n'est pas clair là-dessus, à ce moment-là, il est urgent de ne pas faire tout de suite, en tout cas. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire et ce n'est pas un jugement sur l'idée. Et donc, parce que souvent, si on demande aux gens de dire bah, ouais, mais est-ce que tu es sûr que ça va être utile? Forcément, ils vont défendre c'est leur idée, ils vont la défendre, ils ont leurs convictions. Mais de déporter, en fait, non pas le débat, mais en tout cas l'échange et la réflexion sur le besoin, de quoi on parle, à qui on s'adresse, à quoi ça va servir et à qui ça va servir et quand et comment. Si on a une réponse à toutes ces questions, à ce moment-là, déjà, ça va fortement augmenter la place dans le rang des fonctionnalités. Alors, tu as Bruno qui te dit « super l'idée du livre ». Alors, peut-être un contact supplémentaire pour le bouquin. Les amis, on attend vos questions. Il y a Sylvie qui m'a dit que pour l'instant, elle n'avait pas d'autres questions. Je vous rappelle que du coup, on est là pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour prendre toutes les questions qui vous animent en ce moment, le challenge que vous rencontrez, les différentes problématiques sur lesquelles qui vous intéressent en ce moment. Si vous souhaitez aussi poser des questions à Jérémy sur, je sais pas, son parcours du X-Designer Senior, c'est possible. Si tu souhaites aussi poser des questions sur son étude de cas qui concernait les différents types d'ateliers qu'on peut mener dans un projet, c'est aussi possible, les amis. Donc, on attend encore quelques instants pour voir si vous avez d'autres questions. Et s'il n'y en a pas, on pourra clôturer ce live là où on en est aujourd'hui. Je viens voir un petit peu si j'ai rien manqué dans les commentaires. Non, je crois que j'ai bien suivi. Vous êtes plusieurs, vous êtes 19 là qui êtes présents sur le live. Il y a quelques instants, on était même 20. Vous êtes plein à ne pas nous avoir fait coucou, les amis. Franchement, ça fait plaisir que vous nous mettez un petit coucou. Vous avez été un petit peu timide. Du coup, est-ce qu'il y a des choses sur ton actualité dont on n'aurait pas parlé ou est-ce qu'on en a parlé de tout? Sur l'actualité, après, on peut reboucler sur... comment on a géré, enfin je sais pas, que ça pourrait être intéressant aussi de voir comment vous avez géré le travail à distance pendant le confinement. Moi je sais que il y a eu toute une phase où avec plaisir et avec intérêt, en tout cas j'ai un petit peu repensé ma manière de travailler, les outils avec lesquels je fonctionnais et voir du coup les opportunités que ça pouvait offrir au-delà de la contrainte, que on pouvait transformer ça en une opportunité. Le fait de pas avoir à se déplacer à l'autre bout de la France, moi je suis basé à Lille, donc le fait de pas avoir à se déplacer à l'autre bout de la France pour faire son atelier, le fait de pouvoir gérer différentes choses, notamment les enfants en parallèle, c'est aussi un exercice sur lequel il y avait des choses qui étaient moins évidentes en présentiel. Alors, il y a évidemment des choses qui peuvent moins bien se faire, mais du coup ça peut être intéressant si c'est un sujet qui vous intéresse d'échanger là-dessus, et moi ça m'intéresse aussi d'avoir vos feedbacks. Cool. Effectivement, pour beaucoup, ça a été... alors, on a plein de feedback, soit déstabilisant, soit une opportunité d'améliorer des choses. Chacun l'a un petit peu vécu de manière différente. Mais effectivement, on s'est tous un peu remis dans nos différents outils pour réadapter nos méthodes. Alors, je t'avoue que pour ma part, ça fait déjà plusieurs années que je travaille à distance. Donc, mis à part le fait que j'avais... mon bout de chou à la maison et qu'il fallait pouvoir gérer les activités du petit puis les miennes et puis arriver à jongler là-dedans, autrement sur le côté travail à distance c'était assez bien mis en œuvre, mais du coup ça te fait dire que finalement t'es capable de travailler avec un enfant à la maison et tu te rends compte qu'en fait ils ont énormément d'autonomie, ces petits pitchouns, et c'est très rassurant finalement de se dire qu'ils ont cette capacité là et que nous aussi on a cette capacité là. Les amis, si vous voulez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous cette phase de confinement, n'hésitez pas à partager. Donc vous pouvez activer votre micro, j'ai mis le lien en tout début, c'est le lien streamyard.com, ça vous permet de nous rejoindre ici. On a une nouvelle question d'Isabelle, merci Isabelle, tellement de créativité pour tes questions aujourd'hui.
Un client se retient de dessiner des wireframes car il n'est pas sûr que ce soit une bonne solution et aussi peur de m'influencer. Comment lui dire que c'est finalement une bonne démarche ? Alors, c'est un vrai sujet dont il faut tenir compte quand on intervient dans des équipes ou auprès de personnes qui sont pas habituées à tenir à dessiner sur un bout de papier avec un crayon. Moi, je connais bien ce genre de situation parce que moi-même, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel il a fallu travailler. Il y a certains ateliers où j'ai eu à gérer ce truc-là en me disant, bon, je sens que là, dans les interviews au préalable, en préparant le sujet avec eux, qu'ils n'étaient pas hyper ouverts à tout ce qui était autour de la créativité et d'autant plus quand ils eux-mêmes allaient devoir sketcher à un moment donné quelque chose. Et donc, j'ai mis en lien, je sais pas si j'arrive pas moi-même à poster des commentaires, mais donc, bah, merci Mélo, du coup, c'est toi qui fais le passe-plat. C'est un petit icebreaker qui s'appelle Draw Me a Toast, Toaster. Et donc, du coup, on demande à chacun de dessiner selon eux, et même si c'est moche, c'est pas grave, l'expérience du grippin. Voilà, par quelles étapes vous devriez passer, etc. Et juste l'idée qu'on comprenne bien que la qualité du dessin importe peu, et ce qui importe, c'est d'être capable de faire passer une idée. Donc une fois le dire, c'est déjà ça peut détendre, hein, c'est-à-dire que dans les consignes, on va dire vous inquiétez pas, c'est pas grave si c'est moche, etc. Mais des fois ça suffit pas à passer au-delà, donc il faut joindre la consigne à l'activité. Et donc je trouvais que cet exercice il était vraiment intéressant parce que il joue aussi bien sur le fait de détendre les gens, le fait de dessiner et que ce soit moche, mais juste qu'ils arrivent à voir qu'ils arrivent à faire passer une idée. Et en plus de ça, on arrive aussi à jouer sur le côté intelligence collective, on voit pas forcément tous les mêmes étapes. Il y en a qu'on voit 15, il y en a qu'on voit 3, mais au final, on a tous déjà fait griller une tartine et néanmoins, on y voit des choses assez différentes. Donc, voilà, de réfléchir autour de comment est-ce qu'on peut détendre le fait de se dire c'est pas pour faire joli qu'on va vous demander de dessiner, c'est pour illustrer une idée. Alors, je vais rechercher d'autres liens en fait, mais j'ai notamment en tête une ancienne pub de Canal pour promouvoir ses programmes, et c'était une discussion à la cantine où donc c'est deux personnes qui discutent, et il y en a un qui dit ah, hier j'ai vu un super film, ça s'appelle La Marche de l'Empereur. Alors l'autre elle dit ah, La Marche de l'Empereur, et on voit ce qu'elle s'imagine, juste elle connaît pas le film, et donc elle imagine des petits Napoléons qui marchent partout, et donc il dit oui, ça se passe sur la banquise, et donc c'est des manchots empereurs qui se baladent sur la banquise, ils glissent sur le ventre, et donc on voit les petits Napoléons en fait qui glissent sur le ventre. Et donc il y a ce côté un peu la dichotomie entre ce que la personne évoque et sans avoir la représentation visuelle, et du coup ce que l'autre s'imagine. Et donc l'idée, c'est de leur dire, si on veut éviter ce genre d'écart entre ce qu'on va se dire lors de l'atelier et ce que vous allez vous représenter, si on veut bien être sûr d'être bien aligné, autant pouvoir le représenter, même si c'est moche, mais de pouvoir le représenter visuellement. Et donc je trouve ça assez, c'est des fois des manières en fait un peu de les détendre là-dessus. Il y a aussi un exercice sur lequel on leur demande de faire des gribouillages. On dit ok, faites-moi 3 gribouillages. Et en rajoutant 2 points et 3 traits, on arrive sur chacun des gribouillages à faire un petit oiseau. Je vais remettre le lien aussi vers ce type d'atelier. Bref, tout ça, vous l'avez compris, c'est de trouver des activités sur lesquelles, de manière détournée, on va amener à faire passer ce message que dessiner, c'est pas forcément sur le point de vue esthétique, mais plus pour faire passer une idée. Ouais. Et que c'est vraiment une question de confiance en soi et que on est tous capables de dessiner. Un enfant de 4 ans, il sait dessiner. C'est juste qu'après, on s'est mis plein de barrières autour du jugement et autour de l'exigence et de l'excellence dans le fait de se dire si je fais quelque chose, il faut que ce soit bien, il faut que j'ai bon. Ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Si je demande à ma fille de me dessiner un bonhomme, je voulais que vous montre des dessins. Voilà. Et elle a pas honte de ça, en fait. Quoi. Donc, voyez, elle est même très fière. Ils sont super. Donc, bref, voilà. C'est juste pour... donner confiance, voilà. Et je vais chercher le petit lien. Pendant que tu cherches ton petit lien, je vais compléter.
J'ai deux tips, là, peut-être pour t'aider Isabelle, si le client se retient de dessiner des wireframes. Alors déjà, la première chose, alors ça c'est un tip plutôt à mettre en œuvre pendant un atelier, mais pourquoi pas tout au long de la relation avec des collaborateurs aussi qui ne sont pas forcément à l'aise avec le dessin. Moi j'ai littéralement, enfin en tout cas je travaille à ça, j'enlève le terme dessin de toutes mes phrases. Je ne demande plus jamais des dessins, il n'y a plus jamais personne qui dessine. Je parle plutôt de schéma, de représentation visuelle. Alors schéma marche très très bien parce que tout le monde sait faire des ronds, des carrés, des triangles et écrire à l'intérieur de ces ronds, de ces carrés, de ces triangles, et je leur dis que c'est ça dont on a besoin. Alors après, quand on parle de schéma et que par exemple on fait l'atelier sur le toaster, ça marche aussi très très bien parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils sont très bien capables de dessiner un toaster alors qu'on leur a dit schéma, mais finalement on reconnaît le toaster et puis on reconnaît aussi très très bien les petites tartines. Donc vraiment ça marche bien. Et deuxième tips, pour ton cas où t'es, je ne sais pas si tu es dans un atelier ou en dehors d'un atelier. En tout cas, tu peux rappeler qu'en fait, les solutions, que la créativité, ce n'est pas que l'affaire des créatifs, donc des designers, que c'est l'affaire de tout le monde. On est tous créatifs. Et que de toute façon, même si la personne t'apporte une idée, en réalité, l'idée, elle n'est jamais prise telle qu'elle. Après, il y a un travail de rebond créatif. Donc, parce qu'une personne te montre un truc, chez toi, ça va évoquer un autre, puisque tu vas dire, va évoquer encore quelque chose d'autre chez la personne. Et au contraire, plus la personne va alimenter l'échange, plus on va arriver à explorer plein de choses différentes. Donc, c'est même lui dire qu'en fait, cette personne te rend service à le faire, ou en tout cas, rend service au projet, puisqu'elle alimente le rebond, les rebonds créatif. Donc c'est souvent soit passer par des exercices ou soit rappeler, rassurer en fait les personnes sur le fait que la créativité ou les dessins ne sont pas que dédiés au profil créatif. Ouais, si je peux me permettre juste rajouter un point, parce qu'en relisant la question et en t'écoutant, ça m'a donné peut-être, enfin je me suis dit qu'il fallait peut-être préciser par rapport à la question précise sur les wireframes. Le wireframe, c'est qu'un aboutissement en fait d'une réflexion. C'est-à-dire que effectivement, dessiner un écran, peut-être que les gens, il y a des gens qui diront, là, moi c'est pas mon métier, je suis pas à l'aise avec ça. Mais dans ce cas-là, réfléchissons au storyboard, quoi. C'est quoi l'expérience qu'on veut concevoir? Et là-dessus, ils ont forcément des idées. Après, si ça doit passer par les mains de quelqu'un qui est plus à l'aise avec un crayon, moi ça m'arrive dans les ateliers du coup d'avoir des designers ou des UI en fait qui retraduisent ces idées-là sous la forme d'une interface, voilà, en disant bah ça pourrait prendre cette forme-là, mais on a déjà fait tout le travail de réflexion autour du comment on va répondre aux besoins, qu'est-ce qu'on imagine comme expérience, après la représentation qu'on va s'en faire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut repousser un petit peu, mais en s'assurant que tout le monde a bien participé en amont à qu'est-ce qu'on a envie de monter comme produit, service ou autre, et à quel besoin ça va répondre. Donc, s'ils sont pas à l'aise avec le fait de dessiner sur les interfaces, au moins vraiment d'accentuer sur le côté très bien. Bah, qu'est-ce qu'on imagine comme enchaînement d'étapes pour partant d'un point A pour arriver au point B. Clairement. Tu nous partageais le Squiggle Birds. Donc c'est donc l'exercice que tu disais tout à l'heure à partir d'un gribouillage. En fait, l'idée c'est on leur dit voilà on gribouille vraiment on laisse partir le stylo sur la feuille, chacun fait ça. Après on fait passer. Alors moi je l'ai fait, je sais plus si c'est décrit comme ça, mais on peut le faire des variantes. Hein. Mais l'idée c'est de le passer après au voisin qui va pouvoir rajouter. Un bec, un œil ou deux yeux en fonction de s'il est de face ou s'il est de profil, et puis les pattes. Et ça, globalement, sur n'importe quel gribouillage, vous arrivez à faire ressembler, enfin à faire ressortir un oiseau. Et donc, si on leur demande dès le début de dessiner un oiseau, ça va peut-être être un petit peu complexe, mais partir d'un gribouillage et en rajoutant deux trucs, on voit qu'on y arrive assez facilement. Voilà, c'est un exercice parmi d'autres. Et moi, de toute façon, j'adapte à chaque fois, hein, mais
L'idée, c'est de se dire, on a l'objectif à chercher, on sait ce qu'on veut faire, on sait qu'on veut leur donner confiance, on sait qu'on veut leur faire passer l'idée que ça n'a pas besoin d'être joli pour marcher. Et donc, de là, cet exercice-là ou un autre, du moment qu'on vise le même objectif, ça fonctionne bien. Après, c'est à vous de vous sentir à l'aise avec ça. Clairement. Alors, on a Bruno qui nous demande quels sont les contenus que tu as utilisés pour t'auto-former, apprendre l'UX il y a 3 ans. Donc, est-ce que tu as des bouquins, des chaînes YouTube, des cours que tu aurais? Ouais. Alors, c'est... Je vais aller les chercher après si vous voulez. Oui, il y en a plusieurs. Le premier, enfin, un des premiers, le tout premier, ça a été l'expérience, le nouveau moteur de l'entreprise de Christophe Rebourg. C'est un bouquin orange. Je vous mettrai le lien. Je vais le. Et donc, c'est un bouquin, c'est aussi un recueil d'expériences, de témoignages plutôt, de designers dans des grandes entreprises qui viennent partager un peu les difficultés qu'ils ont pu avoir, les victoires, donc aussi bien les échecs que les victoires. Et c'est un livre en fait qui met en avant ce côté, cette transition que les entreprises doivent passer de raisonner produit à raisonner expérience. Donc voilà, et je trouvais. Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé dans la position dans laquelle j'étais à l'époque où j'étais encore salarié, où j'étais confronté à ça, en me disant des fois, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est pas moi qui, à un moment donné, ai une lubie et que c'est peut-être pas vraiment un sujet parce que certaines personnes autour de moi comprenaient pas ou voyaient pas l'intérêt ou me disaient non, mais c'est pas, reviens à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on a toujours fait, c'est ça qu'on te demande, quoi. Et donc, le fait de lire ce bouquin, me permettait de sentir que j'étais pas complètement à côté de la plaque et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient déjà passées par là et qui avaient pu avancer là-dessus. Ça, c'est un premier bouquin. Le deuxième, c'est The Design of Everyday Things de Don Norman. Moi, je suis un grand fan de Don Norman. Je vais vous mettre le lien aussi. Donc Don Norman, j'espère que tout le monde le connaît, c'est un peu le papa en fait de l'UX, en tout cas tel que ça a été cette appellation-là, et avec cette posture de l'UX, c'est la vie de tous les jours, c'est les objets de tous les jours, et quand j'arrive pas à pousser une porte parce qu'en fait faut la tirer, mais que c'est mal fichu et que je me retrouve bête en le faisant, c'est pas moi qui suis bête, c'est le concepteur qui a mal fait son job, c'est le designer qui a mal fait son job, et ça. Ça change un certain nombre de choses dans la vision que vous pouvez avoir tous les jours de votre métier. Et je dis toujours que c'est un muscle qu'on exerce. Et moi, c'est devenu un réflexe. Alors, j'ai des lieux de prédilection, hein, les ascenseurs, les aéroports, ça marche bien. Mais tous ces trucs où on se dit, c'est une blague. Comment ils ont pu concevoir le truc comme ça, en fait? Ou alors c'est intentionnel que ce soit compliqué ou mal fichu. Mais voilà, je pourrais vous donner des exemples plus précis si vous le souhaitez. Donc ce bouquin, il met vraiment en avant ce côté avec des exemples très concrets du quotidien. Donc ça vulgarise vraiment les choses et ça permet vraiment de prendre conscience que l'UX, c'est pas que les interfaces digitales, mais c'est aussi des interfaces tangibles et c'est aussi des fois juste un la manière dont les gens vont interagir entre eux et des consignes qui vont être données à une personne qui sont complètement aberrantes par rapport à une expérience souhaitée. Yes. Donc ça, c'est le deuxième bouquin. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Ah ouais, et le troisième, c'est User Experience Revolution. Au moins, comme ça, c'est dit. Paul Boag qui a écrit ce bouquin. Il n'est pas en vente sur Amazon, il faut le commander directement sur le site l'éditeur. Pardon. Je vous mets le lien vers son blog et puis comme ça, ça vous permet de découvrir tous les articles qu'il écrit et de éventuellement commander le bouquin. Ce qui m'a plu en fait dans ce livre, c'est le côté hacking. Le fait de pouvoir pirater le système de l'intérieur, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, parce que j'ai vécu là-dedans. Quand on est dans des structures, même des petites structures, globalement,
il y a toujours des rôles, il y a toujours des, j'appelle ça vraiment, c'est presque comme du théâtre, quoi. Il y a des règles à respecter, il y a des codes, etc. Et donc, une fois qu'on a pris conscience de ces codes et de comment ça fonctionne pour faire avancer les sujets, à ce moment-là, on peut en jouer pour se les approprier et atteindre ses propres objectifs. Alors, ça peut être un peu perçu comme de la manipulation, mais moi, je le vois plus comme quelque chose de, c'est juste les règles du jeu, quoi. Une fois qu'on a compris les règles du jeu, on peut jouer. Si on n'est pas d'accord avec les règles du jeu, c'est difficile de jouer parce que les gens vont pas utiliser les mêmes arguments ou les mêmes règles que vous. Et donc, à partir de ce moment-là, ça complexifie fortement la chose. Et donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est du point de vue de l'UX, c'est justement ce discours de ne restez pas seul, même si vous êtes dans une organisation sur laquelle vous êtes le seul UX, même le seul designer. Surtout ne restez pas seul et entourez-vous des gens qui sont câblés comme vous, qui ont ce souci de l'expérience utilisateur, et échangez avec eux, montez des petites communautés, même si c'est autour d'un déj, etc., pour déjà partager vos problématiques, vous nourrir des leurs et trouver des appuis dans les organisations. Et donc il y a, voilà, tout tourne autour de comment prendre conscience des règles du jeu, les faire siennes et marquer des points par rapport à ça, et surtout avancer étape par étape, pas se mettre des objectifs trop élevés tout de suite en disant il faut qu'on recrute une dizaine d'UX designers, tu comprends, il y a tellement de choses à faire. Ouais, mais ça t'y arrivera jamais, quoi, là tout de suite, c'est pas dans l'immédiat. Comment tu peux faire déjà avec tes propres moyens, sans demander tout de suite des moyens financiers supplémentaires, à avancer en mode quick win, des petites victoires qui vont permettre de montrer que t'es pro, que t'es légitime, qu'il y a un intérêt, et à ce moment-là seulement tu pourras ouvrir une discussion sur le on va maintenant demander des moyens supplémentaires. Mais avant ça, il va se passer un certain nombre de choses, et donc c'est pas mal expliqué dans le bouquin, je trouve ça très intéressant. Voilà, donc je vous partage trois références, il y en a bien évidemment plein d'autres. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour terminer là-dessus, c'est ce que j'avais très très rapidement évoqué, c'est les échanges que j'ai pu avoir de manière c'est vraiment autour d'un café, pour tout vous dire. Quand j'ai pris la décision de partir en freelance, je me suis laissé 6 mois pour quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Et pendant ces 6 mois, j'avais entre 3 et 5 rendez-vous par semaine avec des gens de tous bords, pas forcément que des designers, mais des gens qui, à mon avis, avaient ce raisonnement centré utilisateur. Et donc, d'échanger avec eux, de un peu de taper dans la balle et de leur dire, voilà, moi, comment je vois les choses, ou comment, ce que j'ai envie de faire après. Et de voir si ça faisait sens, si j'étais à l'aise avec le fait de bien l'expliquer, s'il me posait des questions parce qu'il comprenait pas. Et donc ces échanges-là m'ont nourri énormément et continue à me nourrir. Je continue à le faire moins fréquemment maintenant, mais des échanges que je peux avoir comme là aujourd'hui, moi ça m'aide vraiment dans mon métier au quotidien. Donc je vous invite vraiment à vous ouvrir au maximum, aller à des meet-ups, des conférences, potasser des bouquins, prendre contact avec des gens, même à distance sur LinkedIn. Et puis en général la communauté est vraiment bienveillante, donc vous aurez quand même globalement toujours une réponse. Moi j'ai jamais eu vraiment de refus ou de non-réponse. Des fois ça prend un peu plus de temps que d'autres, mais voilà, je vous invite vraiment à favoriser ces échanges là parce qu'au-delà des bouquins, là vous êtes dans le vrai, en fait, dans le quotidien des gens, et ça a un autre éclairage. Clairement. Merci beaucoup pour ton partage. Je valide de ouf les échanges en vrai et les meet-up, etc., pour se former. Je pense que c'est un vrai accélérateur pour être dans le vrai, justement, pour aller, pour évoluer vers... Parce qu'on sait qu'il y a plein de manières d'évoluer avec l'UX, il y a plein de portes d'entrée différentes, et ça permet vraiment de prendre un raccourci sur la manière d'évoluer par rapport à là où on en est, par rapport à là où on souhaite... aller, et en intégrant dans tout ça, je dirais, la réalité du marché actuel de l'UX. On a une autre question de Benjamin, et je pense que les amis, ce sera notre dernière question. Ça fait presque une heure qu'on est déjà sur ce live. Benjamin qui nous demande, sur un atelier de co-conception, lorsque tu travailles sur la conception d'une page web, quel type d'atelier tu utilises, quel type d'exercice, quel type d'outils tu mets en œuvre? Là, c'est assez large. En tout cas, moi, de manière générale, je m'assure toujours de... est-ce qu'on part d'un besoin qui est clairement identifié? Est-ce qu'il y a besoin d'aller au contact des gens pour reclarifier certaines choses? Souvent, c'est le cas. De dire, voilà,
on veut revoir cette fonctionnalité, on veut revoir ce site web ou cette application, très bien, mais de quoi on part, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc par exemple, ça peut être le speedboat adapté en fait, donc qui permet aux gens d'exprimer de leur point de vue ce qui fonctionne bien. Donc je sais pas si c'est pas clair pour vous, c'est aussi issu des approches agiles, le speedboat. Donc faut imaginer vous dessiner sur un paperboard un bateau avec un bateau à voile avec une île. L'île, c'est l'objectif que vous cherchez à atteindre. Donc, par exemple, rendre tel service, ça peut être un objectif aussi business, augmenter de X% le taux d'inscription à la newsletter, je ne sais pas. Et le bateau, donc, il a besoin pour ça, en fait, de vent porteur. Donc, c'est les choses qui fonctionnent bien, sur lesquelles il va falloir s'appuyer et surtout pas perdre en cours de projet. Et il y a aussi des ancres, des choses qui vont le ralentir, voire le bloquer. Et donc, c'est tout ce qui pourrait... aujourd'hui dans l'état nuire à l'atteinte de l'objectif. Donc moi je pratique aussi ce genre de trucs pour mettre les choses à plat dès le début en disant voilà, est-ce qu'il y a des points de vigilance d'un point de vue organisation, est-ce que les gens ont une bonne connaissance de comment ça se passe aujourd'hui avec l'expérience qu'on propose déjà, est-ce qu'on a les mesures, on a la bonne vision des choses, ou est-ce qu'il y a vraiment des gros deltas entre les gens qui sont autour de la table de ah, moi je savais pas, enfin pour moi ça tout ça fonctionne bien, maintenant mais je suis pas d'accord avec toi. Bon, c'est l'occasion en fait d'en parler. Et après j'aime bien en fait du coup les faire réfléchir avant de penser tout de suite à l'interface sur des propositions d'idées. Alors ça peut être via un brainstorm. J'aime bien le brainwriting. Donc c'est le brainwriting, c'est un peu comme le cadavre exquis. Donc une fois qu'on a identifié la problématique ou le sujet, le besoin sur lequel on voulait amener des choses, c'est de dire bah voilà, sans contrainte aucune dans un premier temps, imaginez trois réponses que vous pourriez amener cette problématique. Et on va demander au voisin, une fois qu'il aura récupéré, on va faire passer les feuilles, et une fois que vous aurez récupéré la feuille de votre voisin avec ses trois premières idées, vous allez rebondir sur l'idée du voisin et en rajouter trois. Donc en fait, on va commencer à articuler un mini scénario comme ça, un mini mini solution, mais issue du cerveau des uns des autres, à chaque fois en rebondissant. Ça fonctionne plutôt bien aussi parce que ça amène justement cette notion que je suis pas le seul à avoir la bonne idée. Tout repose pas sur mes épaules de concepteur, mais c'est bien avec les idées et les points de vue des uns des autres qu'ensemble on va construire un truc qui va avoir qui va être solide, qui va être robuste. Et donc ça répartit un peu la charge et le poids sur la responsabilité. Sur les épaules de tout le monde et pas que sur les épaules d'une personne. Voilà. Après, le 6-1 fonctionne bien naturellement. Donc, dans l'idée de se dire, souvent, on a des gens qui s'arrêtent dès qu'ils ont une idée un peu lumineuse, de dire « Ah, je sais exactement ce qu'il faut faire, il faut qu'on fasse ça. » Sauf que des fois, c'est un peu tôt dans le processus. Dire « Ouais, mais peut-être que tu pourrais continuer à creuser avec… Il y a peut-être d'autres idées en fait qui pourraient te venir et t'inspirer pour ou inspirer les autres. » Et donc, le fait de passer par le 6-1, c'est de dire, bah, à une idée, je veux en faire 5 ou 6 itérations supplémentaires pour me forcer à envisager les choses différemment, avoir d'autres angles d'attaque. Ça, voilà, ça fonctionne bien aussi. Voilà, je vous donne des idées vraiment pêle-mêle. Et après, l'exercice des contraintes. Ça peut être soit via des cartes, soit une consigne que je donne en disant, voilà, OK, on a déjà un bon paquet d'idées maintenant. Sans contrainte, mais maintenant je vais vous donner une contrainte qui est ça doit coûter 0. Donc maintenant, à partir de l'idée que vous jugez être sur laquelle vous étiez prêt à partir, si je vous dis que maintenant ça doit coûter 0, quelle forme vous lui donnez ou comment vous l'adressez du fait que vous n'ayez pas de budget ou que ça doit être livré dans 10 jours ou que si on se projette justement au contraire dans 20 ans, en fait, elle ressemblera à quoi, à votre idée, une fois qu'on aura développé plein de technologies et qu'il y aura, on pourra peut-être aller sur la Lune, etc. Comment elle fonctionnera, votre idée, et qu'est-ce qu'on en pensera et comment elle fonctionnera. Donc, toujours dans l'idée, en fait, de pousser un petit peu les gens dans leur retranchement, surtout éviter qu'ils se reposent sur leur laurier de, moi, c'est bon, moi, j'ai fait ma part du travail,
je pense que j'ai trouvé une super idée, je peux m'arrêter, parce que c'est justement ce qu'on veut pas. Le choix et le raffinement, il arrive toujours assez tôt. L'enjeu, il est de produire un maximum et d'essayer d'ouvrir au maximum les chakras pour après pouvoir raffiner et trouver le truc qu'on va finalement prototyper. J'espère que ça répond à ta question, Benjamin. Et Mélo, si tu veux compléter, n'hésite pas. Dis-nous en tout cas, Benjamin, si ça répond à ta question. Peut-être qu'on peut aller jusqu'au moment, parce que là, j'adore, parce que tu es bien revenu en arrière sur le fait qu'il y a plein d'étapes avant de commencer à dessiner des écrans. Sur ton point de vue, sur est-ce qu'on fait dessiner la page web, est-ce qu'on leur fait dessiner cette page web ou pas, ou en tout cas quels sont les atouts et les inconvénients à le faire, et si tu le fais, comment tu arrives à leur faire dessiner des pages web en sachant que ce n'est pas leur métier finalement, donc comment tu fais ça? Alors dans un premier temps, je dirais que pour moi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une finalité. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on soit au clair sur le besoin et sur les idées en fait qu'on veut véhiculer. Ça me choque pas à la sortie de l'atelier, on va après voir un designer en disant bon voilà, on a des idées. Maintenant, toi, montre-nous en fait quelle forme ça pourrait prendre en termes d'interface. Ça me pose pas de problème éthique. D'un point de vue méthodo. Maintenant, si c'est des choses sur lesquelles on doit quand même avancer, moi j'ai plusieurs manières d'y arriver. J'ai des cartes qui sont des bouts d'interface. Je ne peux pas faire de la pub, mais c'est UX République qui les a éditées. Mais il y a moyen de les trouver, je pense, par ailleurs. Vous pouvez les fabriquer. Hein, voilà, vous avez un module moteur de recherche, un module slider en HP. Et donc ils peuvent comme ça, composer sans avoir à dessiner leur bout d'interface. Donc, c'est une manière de détourner et de pas forcément passer par l'étape dessin. Si on voit vraiment que c'est un point qui bloque et que les gens, ça les braque complètement, ça sert à rien de forcer dans ces cas-là. Donc, j'ai toujours des petits outils comme ça en mode plan B si jamais je vois que ça les bloque un petit peu. Après, ce qui fonctionne bien aussi, c'est le benchmark, aller sourcer des idées à l'extérieur dans d'autres contextes. Et te dire, on sait qu'on doit répondre à cette problématique-là. À votre avis, où est-ce qu'on pourrait trouver des idées qui nous permettent de retranscrire ça et quelque part juste d'avoir à réintégrer ça dans notre interface en redessinant ou en donnant l'idée. Donc l'idée, c'est de combattre la page blanche. Je pense que c'est un peu la crainte dans ce genre de cas de figure, c'est que la personne reste devant sa page blanche en disant. Un, j'ai pas d'idée. Deux, je sais de toute façon pas les dessiner. Donc, globalement, on commence à mettre un certain nombre de barrières. Et donc, soit en leur donnant un maximum de sources d'inspiration, soit en leur donnant des outils qui vont arriver au même résultat, mais sans avoir à dessiner. Et il peut y en avoir d'autres. Vous avez peut-être des idées là-dessus. Je pense que c'est pour répondre à ta question. En fait, c'est comme ça que je procéderai. En fait, si je sens que les gens sont un petit peu réticents en fait dessiner, mais qu'on doit aboutir de toute façon à une interface. Ouais, clairement. L'avantage personnellement que je vois, il y a des atouts à ne pas leur faire dessiner, à ne pas aller jusqu'au bout, et ça va vraiment dépendre du contexte. Et il y a des atouts à leur faire dessiner. Je dirais, si on va jusqu'à faire dessiner la page web, là où il va falloir être très attentif, c'est de leur demander d'exprimer pourquoi tel élément à tel endroit, pourquoi tel choix. Donc normalement, tout ça, bien sûr, ils l'ont préparé en amont avec tout un tas d'exercices pour vraiment faire des choses utiles et être concentré sur le besoin. Mais je dirais que en fait, on a besoin de comprendre les choix, est-ce que le slider, est-ce que la recherche, etc. Parce qu'en fait, derrière, il se peut que ces personnes qui ne sont pas spécialistes de la construction web aient finalement pas forcément utilisé le bon élément pour faire ce qu'ils cherchaient à faire. Et c'est plus ça, nous, qu'on va aller chercher derrière. C'est pas forcément la solution de la page web, mais c'est comprendre ce qu'ils ont voulu faire pour que derrière l'UX ou l'UI ou le web designer, quels que soient les profils qu'on a, puisse vraiment retraduire les différentes productions. Je vois cet atout-là, mais du coup, il faut que les personnes soient mises au courant sur le fait qu'on ne va pas reprendre tel quel
leur solution, parce qu'on peut avoir aussi des profils qui tombent complètement amoureux de leurs idées et qui après qui ne comprennent pas pourquoi on reprend pas leurs idées telles quelles, mais bien leur dire qu'il y a un retravail des designers pour s'assurer qu'il y ait une vraie adéquation entre les différentes pages. Enfin bref, ça va dépendre des projets et de là où vous en êtes, mais bref, redire que les choses sont finalisées de manière professionnelle à la fin de l'atelier, post-atelier, pour vraiment faire le livrable final. Et du coup, Benjamin nous demandait, est-ce que des cartes de contenu, est-ce que sur des feuilles. Donc du coup, on a déjà répondu à ça. Hein. Tu peux vraiment faire comme tu le sens. Il y a plein de kits qui existent. Il y a celui du X-République, il y a d'autres kits qui existent aussi, où c'est des petits des éléments que tu peux... mettre sur des tableaux blancs qui sont des magnettes dans lesquelles tu peux réécrire à l'intérieur. Il y en a plein. Tu peux aller voir sur le web, il y a vraiment plein de choses qui existent. Et puis moi, perso, je me suis fait mon petit kit que j'adapte à chaque fois, ouais, en fonction des projets. Donc vraiment, chacun peut le faire comme il le sent. Il y a Jennifer qui voulait nous poser une question. Donc Jennifer, du coup, je t'invite à nous mettre tes questions et puis on te répondra en commentaire de la vidéo avec grand plaisir. On te dira, on pourra voilà compléter ça dans les jours à venir. Un grand merci à toi, Jérémy, pour tous tes partages, pour ta générosité, pour le temps que tu nous as accordé. Je vais faire un petit coucou aux personnes qui étaient là avec nous dans le chat. Donc, on avait Louisa et Isabelle. Merci beaucoup. Coucou Isabelle pour toutes tes questions. Aujourd'hui, tu as largement alimenté les échanges, donc c'est très cool. Merci beaucoup. On a Vassila qui est passé nous dire bonjour. Sylvie, Bruno, Benjamin qui nous a posé des questions. Julia qui nous a fait un coucou tout à l'heure. Il y a Amélie qui était là. Lucille, est-ce que j'oublie personne. Et Cuervo, je n'ai pas ton prénom, mais je te fais un coucou aussi. Voilà, un coucou à tous ceux qui ont été là. Il y a plein de personnes qui sont passées, puis sont venues, puis reparties, puis venues, puis reparties. Et un coucou aussi à ceux qui nous regarderont en replay. Je te dis à très vite, Jérémy, pour de prochaines aventures. Ouais, bonnes vacances à ceux qui en prennent. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ouais. Yes, tiens-nous au courant pour ton bouquin. On relaiera au maximum quand il y aura la sortie du bouquin. À très bientôt à tous et à vendredi pour ceux qui seront dispo pour l'UX Live.